vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Cette rencontre. Il cherchait la profondeur, mais en face défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Ce ballon bien dosé. Bonne intervention. Armin Basinovic. Ballon intéressant. Il peut frapper. Oh, la main ferme. Encore, il peut frapper. Il voit le cadre se dérober pour quelques centimètres. Coup de chance, ce n'est pas cadré. Déjà deux frappes, il manque beaucoup d'attention ce début de rencontre et ce n'est pas pour lui déplaire. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est joué long vers le poteau de corner. J'ai repoussé pour le moment. Le ballon sort en touche. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Ils centrent directement. Il est passé. Le centre à la terre. C'est tendu, il tire, c'est repoussé, oh, le gardien est là, la classe.
surface. Il cherche son coéquipier. Joli, il ne fallait pas se rater. À la régulière, il est battu, joli tacle. Un long ballon vers l'avant. Va-t-il en profiter? Il décide d'allonger le jeu. Il file dans l'axe. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Il allonge, pourquoi pas. Radji, il tente de la jouer dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Attention, la frappe. Oh, c'est dedans. Et il compte maintenant 2 buts d'avance. Vous en pensez quoi de ce but d'Arène? Non mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas moi, mais il faut mettre vous les antisèches les gars.
saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Rakhi a choisi la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. Continue. C'est bien donné sur le côté. Changement.
changement. Khalifa qui a déjà marqué aujourd'hui. Il relance côté droit. La passe est précise. Il joue dans l'espace. Il peut encore frapper. Ça part à droite. C'est bien fait. Il y a vraiment cru. Mais il manque de réussite. Il a failli marquer un nouveau but. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Jouer plus libéré après ça. Et ça se reflète forcément dans le score final. Voilà Varenne, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut.